ce moment n'existait pas, ce temps d'échange n'existait pas. Et Romain Mouton, ses équipes, en fondant le forum de Giverny, ont pallié un immense manque. Cet événement, ce forum manquait pour qu'on échange tous ensemble, les acteurs publics, mais aussi des représentants des entreprises, mais aussi des acteurs des fondations, des associations. Donc, que les grands groupes fassent beaucoup, c'est important, c'est une locomotive, mais les TPE, les PME ne sont pas en reste. L'immense majorité des sociétés à mission que nous avons créées dans la loi Pacte en 2018 sont aujourd'hui des TPE, des PME. Pas moins de 80% des sociétés à mission sont des petites entreprises et vous avez aujourd'hui un peu plus de 600 000 salariés engagés dans des sociétés à mission qui sont de taille beaucoup plus petite que des grands groupes. Donc, moi, j'ai toujours pensé, et ça ne se dément pas aujourd'hui, que bien sûr, les grands groupes avaient beaucoup à faire pour embarquer les plus petits, les commerçants, les artisans, les TPE, les PME. Mais il y a aussi énormément à apprendre du côté des TPE et des PME qui, parfois, parce qu'elles sont plus petites, sont plus agiles, prennent plus de risques, sont innovantes et parfois ont des pratiques assez intéressantes aussi pour les grands groupes. Donc, c'est vraiment cette itération, si je puis dire, pas uniquement grands groupes vers les TPME, mais aussi en quoi les TPME et les associations peuvent apporter, enrichir la vision et les actions des grands groupes.